Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et on va créer ensemble une tête de lit pour la chambre d'amis. Et pour ça j'ai choisi d'utiliser l'élément 3D de chez Grofilex et il y a un motif bois qui est magnifique. J'ai choisi le modèle rustique bleu, donc je vous mettrai évidemment dans la barre d'infos si vous voulez le même que moi. Et il s'agit d'un revêtement en PVC pour les murs et on va donc ouvrir le paquet. Il y a 3 lames dans chaque paquet et à vrai dire pour un lit de 140 de largeur je vais juste en utiliser 2. Et je vais donc couper la longueur en deux parties, ce qui va me faire une tête de lit de 1,30 m de hauteur. Une fois que j'ai fait les repères et que j'ai tracé la ligne, il n'y a plus qu'à découper avec un cutter. Et moi j'utilise aussi une équerre. Et à vrai dire, je pensais que c'était vraiment compliqué, en tout cas qu'il fallait vraiment appuyer très fort. Et c'est pas du tout le cas. Ensuite on appuie sur le côté. Alors moi j'ai le mur à droite, donc je suis obligée de le mettre vers l'arrière pour pouvoir l'enlever. Mais en fait c'est très très facile. Ensuite je mets un coup de cutter soit par en dessous. Vous pouvez le faire aussi par le dessus, c'est ce que je vais faire ensuite pour tester. Je vais prendre ensuite de l'adhésif. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez aussi utiliser de la colle, mais moi je préfère cette façon-ci qui est beaucoup plus simple. Et à vrai dire, pour vous faire une petite confidence, je pense qu'avec le temps, vous le savez, j'ai mis trop d'adhésif. Donc n'hésitez pas à en mettre au moins la moitié, ce sera amplement suffisant puisqu'en plus les lames sont très 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 légères. Donc là, vous voyez, je mets le cutter au-dessus et ça fonctionne tout aussi bien. Je me retrouve ensuite avec 4 lames, ce sera suffisant comme je vous disais. Et n'hésitez pas à en rajouter une si vous avez un lit de 160 ou une autre en plus si vous avez un lit encore plus grand. Une fois dans la chambre, je pousse le lit et moi j'ai déjà un endroit délimité pour le lit puisqu'à côté vous savez qu'il y a un escalier, je vous l'ai déjà montré. Et donc avec la première lamelle, je retire la protection de l'adhésif et je prends mon équerre de tout à l'heure. Elle a un niveau à bulles et ça c'est super pratique, ça me permet de voir si j'ai bien placé la lame et en plus elle est positionnée sur la plinthe, donc ça c'est très pratique aussi. Et la deuxième vient se clipser dans la première et comme les lames sont très légères, c'est une pose qui est hyper facile, très rapide. Je place la troisième. Et ensuite pour la quatrième, j'ai retiré, alors ça c'est optionnel, mais j'ai retiré la petite bandelette blanche qui permet de clipser donc la suivante. Mais comme c'est la dernière, j'ai retiré pour une jolie finition. Et je viens aussi retirer un petit morceau, puisqu'en fait à cet emplacement là, j'ai une prise. Donc là c'est très 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 facile à découper. Et ensuite je place la dernière. J'ai choisi d'utiliser une finition toute simple pour le dessus. Je prends la mesure, je découpe, je retire l'adhésif et je viens glisser donc la finition juste derrière. Donc c'est la partie la plus large. Ensuite, je retire l'autre protection et je la rabats. C'est tout simple. Et ensuite, je replace le lit, je rajoute des décorations. Donc ici, il s'agit de DIY que j'ai fait moi-même, que ce soit la semaine dernière ou d'autres fois sur la chaîne. J'ai choisi d'ajouter aussi donc des plantes grasses ou ici des petites touches de plage puisque en fait c'était ce que je voulais. Je voulais rajouter du bois et donc du bleu et une petite touche de plage. Donc voilà ce que ça donne avant et je vous laisse admirer le résultat pour l'après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye !